Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ben, comme d'hab, le retour de course, il faut aller faire les courses. Les prix ont flambé, on pourrait dire comme ça, surtout les prix de la viande, hein. Donc moi j'avais encore 2-3 bricoles dans mon congèle, mais c'est sûr que j'ai pas une tonne, hein. J'ai pas une tonne cette fois-ci de courses, hein. Mais bon, il faut aller à droite, à gauche, essayer de trouver des trucs intéressants. Mais c'est un enfer pour le moment, hein. Pour faire les courses, c'est un enfer. Donc, on va commencer. Alors, j'ai repris plusieurs packs d'eau comme ça de la marque Eco parce que quand il y en a, il faut faire vite. Faut faire vite, hein. Faut courir avec le caddie et puis se dépêcher d'en mettre des packs dans le caddie. Ensuite, j'ai repris du jus d'orange comme ça pour mon mari parce que lui, il aime la simplicité, il prend en bouteille. Ensuite, j'ai repris du lait de chèvre. Comme toujours, nous, on est chèvre et on est lait de vache. Toujours un de chaque, différent. Ensuite, j'aurais pris toujours du coca, bien sûr. Des 1,75 litre. Donc là, sont tranquilles. Ils ont un petit peu ralenti parce que quand il fait chaud, ils boivent plus d'eau que de coca parce que quand on boit du coca et qu'il fait chaud, ils ont encore plus soif. Donc ils ont un tout petit peu ralenti quand même. Ensuite, j'ai repris des patates qui font vapeur et sauter. Ensuite, j'ai repris des bananes. Des bananes comme ça. Je ne les ai pas pris trop mûres parce qu'à la maison, ça mûrit très vite. Ensuite, j'ai repris 2 kilos d'orange du spécial jus. C'était les moins chers, hein. Moins de 3 euros le paquet. Ensuite, ce que j'ai pris des Always comme ça pour mes filles parce que eux, une de mes filles aime bien cela. Donc, j'ai appris celui-là, cela. Ensuite, pour une autre de mes filles, elle prend pas les Always, elle prend cela de la marque, marque Repère. Donc, elle trouve qu'ils sont très bien. Par contre, elle va tenter une culotte, on peut dire, ouais, une culotte de règles très absorbante. Réutilisable, que c'est marqué, il n'y avait pas ça à mon époque. Hein. Lavable et réutilisable. Donc, elle a pris comme ça. On l'a ouvert. La culotte, elle est, comment dire, elle est bien épaisse au milieu. Et elle est en coton. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. On fera un test quand ça sera le moment. Puis on verra si elle va absorber. Voilà. Ça se présente comme ça, une culotte. Moi, j'appelle ça un slip, c'est pareil. Et puis au milieu, vous voyez, c'est très épais et ça couvre bien au niveau de l'arrière, c'est-à-dire un demi-cercle bien rembourré au niveau de l'arrière. On verra bien s'ils sont très absorbantes, s'ils font le travail. Et puis si, ben, si c'est bien, je vous en parlerai. Et puis même si c'est pas bien, eh ben, je vous le dirai quand même. Hein? Et comme ça, vous en ferez votre avis par vous-même. Donc voilà, si on avait eu ça à mon époque, peut-être que j'aurais été de ce côté-là. Alors, je vous en donnerai suite quand le moment sera venu. Ensuite, j'ai repris de la verveine. Bien sûr, ce n'était pas la marque Leclerc. J'ai pris Éléphant parce que c'était le moins cher qu'il y avait en rayon. J'ai repris du Démacup. Des petits cotons pour la peau sensible. J'ai repris des gants jetables parce que bon, bah, faut faire le ménage. Hein. Donc, si je mets les mains trop dans le vinaigre, comme ça, après, j'ai les mains esquintées. J'ai repris de la marque Le Petit Olivier, des petites savonnettes comme ça, ultra douces. Alors là, franchement, ça sent super bon. Et avec l'aloe vera. C'est vraiment bien. Ça, c'est un très très bon produit. Je me suis arrêtée sur celui-là. Mais comme mon fils, il n'aime pas la savonnette, je lui ai pris un petit Marseillais comme ça. Douche
crème extra douce au lait. Donc, il a dit que ça sentait bon. Qu'il veut bien ça parce qu'il veut pas le. J'avais acheté de la marque Sanex. Il n'a pas aimé. Il disait que ça sentait trop fort, ça le dérangeait. Donc, j'ai repris ça et j'espère qu'il va être content. Ensuite, j'ai repris des bâtons dansants comme ça. C'est orange, safran, Andalousie. Ça sent super bon ça. Là, vous mettez un bâton dansant, surtout quand vous avez les gens qui mettent leur poubelle sur le balcon comme ça. Vous mettez un bâton dansant, ça dégage vite. Hein, je peux vous le dire, ça fait ni une ni deux. Ensuite, j'ai repris des anti-transfert comme ça, des petites lingettes. Bon, ils valent pas les autres lingettes que j'avais pris, je ne sais même plus quelle marque. Mais bon, ils vont me dépanner, ils vont éviter de me décolorer. Sur les linges, ça arrive que ça décolore. J'ai retrouvé des lingettes pour le sol parce que bon, bah, faut nettoyer les bêtises de Marcus. Donc ça, c'est pratique. J'ai repris aussi de quoi désinfecter le linge, désinfecter le textile. Ça, j'en ai toujours une petite bouteille à avoir sous le coude. J'ai repris aussi de l'eau pétillante, comme ça. Donc, j'en ai pris un pack d'eau pétillante. J'ai pris des grandes tranches de. C'est des grandes tranches de pain de mie. Hein, ça, c'est pour les sandwichs. Mon mari, bah, il a tapé dedans parce qu'on y a fait un sandwich. Aujourd'hui, il est parti en brocante. Donc, pour le moment, j'ai passé un coup de fil. Tout se passe bien à la brocante. Donc, il va me débarrasser un peu le bazar. Hein. Ensuite, de la brioche tressée. Aux pépites de chocolat. Donc ils ont choisi ça. Ouais, tant qu'ils peuvent en manger, ils ne sont pas allergiques hein, aux œufs. Donc ils sont tranquilles. De la marque Pestier aussi, j'ai repris des croissants. Moi, je me contente de galettes de riz. Ça n'a rien à voir du tout avec les petits croissants. Donc des galettes de riz au riz complet. Hein. Source de fibres et pauvre en sel. On se contente de ça. On serre la ceinture. Ensuite, j'ai repris des spaghettis Barilla. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai repris du papier cuisson. Comme ça. Donc, il est à découper avec un ciseau. Hein. Il n'est pas prédécoupé. Ensuite, j'ai repris des galettes de riz au chocolat noir et j'en ai pris aussi au chocolat au lait. Bon, moi, mes préférences, c'est le chocolat noir. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Ensuite, j'ai pris trois petites nouveautés. Alors, parce que c'était des promotions de la marque Bonne Maman, des petits cookies. Alors, ça doit être pas plus gros qu'une pièce de 5 francs, on pourrait dire, hein. Aux pépites de chocolat, des petits cookies comme ça. Donc, je leur ai pris ça, parce que ça, c'était dans les promos. Ensuite, je leur ai pris aussi, parce que j'ai pas le temps toujours de faire de gâteaux, j'ai repris des savanes, comme ça, un paquet de savanes, donc classique. Et je leur ai pris aussi des savanes à emporter. J'appelle ça emporter comme ça, s'il a une petite faim, c'est bien dans la poche. Ensuite, deux autres petites nouveautés. C'est des petits sablés comme ça aussi c'était à quoi ça? Aux noisettes et chocolat. Donc, ils vont goûter, ils vont faire une petite dégustation. Et puis, pour finir, j'ai repris de l'aromatine hein, parce que là, en ce moment, la chaleur, elle remonte. La semaine dernière, on se les pelait. Donc, il faut faire attention pour garder un petit peu du tonus. Alors, c'est reparti. J'ai racheté, comment dire, 24 rouleaux. Hein, 24 rouleaux de papier toilette. Hein, parce qu'on n'en avait plus. Donc, par contre, le papier toilette que j'avais pris la semaine passée, il était un petit peu fin. Donc, c'est pour ça qu'il s'est débité un peu plus vite. Hein. Ensuite, j'ai racheté 7 petits paquets comme ça de 2 petites baguettes.
j'ai repris un tout petit peu, un petit paquet de cracottes comme ça, originales. Par contre, les biscottes que j'avais pris aux céréales complètes, c'était le top. Franchement, super bonne. C'est un bon alternative entre les cracottes complètes et les biscottes. Ensuite, j'ai repris une grosse boîte comme ça d'haricots verts. J'ai repris aussi des haricots verts au beurre. Alors ceux-là, ils étaient pas chers à Leclerc. Donc j'en ai pris deux comme ça. Ensuite, j'ai repris des petits pois chiches. J'en ai pris plusieurs petites boîtes de petits pois chiches. J'ai repris plusieurs boîtes d'anchois parce qu'on aime bien l'anchois. Ça, c'est très très bon l'anchois. Ensuite, j'ai repris des sardines. J'ai pas pris une tonne au niveau des conserves cette fois-ci. Ensuite, j'ai repris une boîte de maïs. J'ai repris aussi des petites boîtes de lentilles. J'ai retrouvé de la sauce tomate fraîche comme ça. C'était en lot de 3. Donc ça, c'est très très bien. Comme toujours, ma boîte, elle s'est cassée. Comme toujours, de la sauce tomate en tube. Ça, mes enfants, ils aiment bien celle-ci. Moi, je préfère l'autre. Ensuite, du thon. Plusieurs boîtes de thon comme ça, parce qu'on mange beaucoup plus de poissons. J'ai repris du riz basmati comme ça de chez Eco. Et puis pour mon mari, j'ai repris de la confiture allégée parce que lui, il faut qu'il fasse attention, il est beaucoup sucre et donc on évitera la catastrophe. Alors, on continue un peu. Alors, ce que j'ai pris, c'est une petite feuille de chêne. Bien sûr, si j'avais une maison, je pense que je me mettrais à jardiner et à faire moi-même mes fruits et légumes. Hein. Mais c'est pas le cas. Ensuite, j'ai repris un paquet d'endives, comme ça. Ça, pour une fois, les endives, ils étaient pas chers. Hein. Moins de 2 euros. Donc ça, j'en ai profité. Ensuite, j'ai repris une petite boîte de 6 œufs. Ensuite, j'ai retrouvé les merguez. Les merguez sont revenus. Alors, par contre, c'est des merguez véritables. C'est des garanties en bœuf et en mouton. Socopa, hein, de la marque. Hein. Mais eux, ils aiment bien ces merguez-là. Hein. Donc, je leur ai pris. C'était pas loin quand même 3 euros les 6 merguez. Hein. Quand même. C'est un peu exagéré. Ensuite, je leur ai pris du pâté de campagne. Ça, ils aiment bien. Ça leur fait une petite entrée campagnard. Ensuite, des petites allumettes comme ça, oh, je ne sais même plus le nom. C'est pour faire la quiche. Voilà. Je me rappelle maintenant. C'est pour faire la quiche. J'ai repris 2 paquets comme ça de rôti de porc. Ça aussi, c'est revenu. Je leur ai pris un petit camembert. Ensuite, j'ai repris 12 portions comme ça de vache qui rit. J'ai repris un beurre président. J'ai retrouvé mes dés de jambon parce qu'il n'y en avait pas l'autre fois et j'ai repris ceux-là à l'Eco parce que c'est les meilleurs. Ça ne veut pas dire que l'Eco, c'est pas bien. J'ai repris une confiture de mur. J'aurais voulu les faire, mais il n'y avait pas de mur. Donc, moi, j'aime bien faire mes confitures normalement. J'ai le temps. Donc, de la confiture comme ça de mûre. L'autre, on la laisse pour mon mari parce que lui, il faut réduire le sucre. Ensuite, j'ai repris de la pâte feuilletée. J'ai repris 2 pâtes comme ça de pizza.
Ensuite, j'ai repris de la roussette. Je leur ai repris du parmesan. J'ai repris un petit paquet comme ça de croisés, de mozzarella. J'ai repris aussi de la marque Le Croisé du fromage au 100% lait de brebis. Ça, c'est bien pour faire une petite salade. Et pour finir, j'ai pris de la crème épaisse pour la quiche. Alors, en surgelé, j'ai pas grand-chose. Alors, j'ai repris des petites pommes duchesse, comme ça. Donc, j'ai pris un petit paquet. Hein. Ensuite, j'ai repris aussi des petits roustis. Donc, ça se fait au four ou à la poêle. J'ai repris du poisson comme ça d'Alaska. Et puis, j'ai repris des bâtonnets de Colin comme ça parce qu'il n'y avait plus les autres. Donc, je me suis rabattue sur cela. Alors, pour un petit menu de la semaine, parce que bon, au niveau de la viande, il me reste 2-3 bricoles. Mais ce qui me manquait surtout, c'est de la viande hachée, parce que là, c'est la courte contre la montre contre la viande hachée. Hein. C'est bien les prix flambent, mais s'ils baissent pas leurs prix, ils finiront par les mettre à la poubelle. Hein. C'est, faudrait peut-être s'alarmer un petit peu. Donc, alors, on va faire une petite quiche avec des petits lardons. Ensuite, je vais leur faire du poisson pané avec des petites pommes duchesse, de la pizza au jambon et de la pizza au merguez. Donc, si vous ne connaissez pas la pizza au merguez, vous pouvez revenir sur une de mes vidéos que j'avais fait à la pizza au merguez. Et c'était super bon ça. Ensuite, je vais faire un gâteau à la banane. Des rillettes de thon. Ensuite, des raviolis au fromage, mais il m'en restait dans réserve. Et puis, des spaghettis à la carbonara. Donc, voilà ce qu'on pourra déjà commencer à faire en petit menu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Excusez-moi. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner surtout. De vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, très bon week-end à tous et gros bisous à tous.